Delicioso. Allez, salut YouTube également. Bienvenue. Bienvenue dans un monde formidable. Bienvenue chez Millennium Kebab. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas joué hein, à ce sublime jeu PSVCR, PSMCR. Mais oui, bien sûr. Delete save, voilà ça, ouais. Allez, on va partir sur une nouvelle partie. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. Et Delete Blues Kitchen Save. Quoi? Je sais pas ce que j'ai fait. Non, je crois que j'ai fait une connerie. Bon, bref. Et on propose pas le menu de difficulté. Bon, alors, bienvenue, voilà. Bienvenue à la tour Webedia, le Libertis. Don't start from scratch. Bah si, on start from scratch, ça fait trop longtemps. Donc, ce bâtiment magnifique a été... construit évidemment pour l'écosystème Webedia et faire du pognon. Alors, ah voilà. Donc difficulté standard qui déjà hein, le jeu peut être déjà s'avérer très difficile pour la plupart des joueurs. Alors est-ce qu'on se considère casu ou pas? Oui, le jeu est en français, en exclusivité pour vous. Et donc il y a extrême difficulté. La difficulté extrême est un cauchemar. Ce niveau de difficulté ajoute 50% de buzz pour toujours cependant. Mais donc, on a 15 000 dollars de bonus de départ. Ah oui, mais c'est 20 000 en normal, non? Ah, ça débloque toutes les deuxièmes... Ça débloque déjà les ingrédients avancés. On commence avec 6 caisses au lieu de 3 ou 4. On ne peut pas mettre les amuse-gueules pour que les gens soient un peu plus patients. La patience des clients est diminuée. Et il y a une super rush hour. Plus dur que dur. Ce mode est presque impossible. Il te détruira, peu importe ton niveau d'aptitude. Ne choisis pas ce mode. Non mais j'ai joué au hard il y a longtemps. Enfin, j'ai joué au jeu il y a longtemps. Mais si on joue en standard, les gens vont pas être contents, c'est ça? Donc écoutez, en ce moment, on est sur les hard modes, donc on va jouer en hard. Mais du coup, on n'aura pas ce petit plaisir de débloquer les petits trucs dès le début. Bon d'accord, extrême alors. Ah oui, alors maintenant, voilà, par exemple, maintenant on choisit les persos. Mais attendez, mais je sais pas. Cancel, je sais pas qui choisit. Ah, on s'en fout en fait. Ah, c'est parce que oui, on voit notre avatar, des fois on participe au Iron Chef. Au Iron Cook. Mexican Chocolate. Moi je suis Jean-Claude, Jean-Claude Dépression. Ah oui, on peut jouer en coop, on avait testé avec avec Giga Etienne. Ah, il y a Julien Chiez. Ah oui, merde. Diane, trop tard. Tant pis. Ah non, mais c'est terrible. Joue en normal, on va se faire chier. En standard, c'est simple au début, ça c'est pas faux. Mais là, ça risque d'être trop, hein, je pense. Je pense que ça risque d'être trop. J'ai quoi déjà dans mon menu? Rien, d'accord. Bon, on va peut-être essayer de commencer doucement. Le poisson, c'est bien, c'est sain. Ça fait de l'argent. Allez, on achète le poisson. Faut qu'on prenne des trucs simples. Les sodas, par exemple, c'est l'enfer. Une bière. La bière, c'est simple. La bonne grosse bière. Ah non, la soupe. Ah, la soupe, c'est tellement l'enfer. On en fera un moment de la soupe, hein, vous inquiétez pas. Les fritures, c'est simple, mais j'aime pas. La salade. Moi, je suis un... Ah ouais, putain. On, voilà, on est un petit peu On est un corner de street foodista, mais qui fait attention à sa ligne. Un peu vegan sur les bords. Si jamais tu aimes bien les grosses lunettes Chanel et les jeans slim ou les bons tailles hautes avec des petites redingotes, tu vas vraiment passer un moment sympathique chez nous. Alors on peut prendre aussi des spécialités, hein, des choses un petit peu plus dures à faire, plus luxueuses.
C'est génial. Alors, ah oui, non, j'ai du poisson, c'est pas vegan. Oh, c'est pas grave. Bon, ah bah oui, les lasagnes, c'est ce que vous voulez. Les lasagnes, allez, en souvenir des petites lasagnes de merde. Elles sont où? Where are the lasagnes? Mais non, ça c'est la patate chaude. La patate chaude, c'est dur. Mais où est la lasagne? Ça c'est de la merde. C'est des nachos. Mais elle est là, putain, aveugle man. Ok, pour l'instant on ne peut pas l'upgrader. Donc elles sont une étoile. Elles devraient être relativement simples. Mon équipement. Ah, j'ai rien là. Ah mais attendez. Comment ça se fait qu'on me permet de faire alors que je pouvais acheter tous les types de nourriture alors que ça se trouve j'ai pas l'équipement. Ah si, on me le met. Là je peux pas parce que j'ai pas acheté le la friteuse. Bon alors dans mon menu là je peux mettre poisson, poisson bière, salade lasagne. Parfait. Équipement. Donc je ne peux pas encore acheter le truc pour les pourboires, ni les snacks, mais a priori j'aurais pas le droit. Ah, je pourrais en acheter en fait. Je peux pas faire un spécialité du jour. Service de à emporter, je peux pas upgrader mes toilettes. Ah oui, ça va être l'enfer. Bon, ok. Ah, finalement je pourrais acheter beaucoup de choses hein. Mais pour l'instant on va rester là-dessus. Poisson fécond. Allez, c'est parti pour Webedia. Alors voilà, 80% de buzz. Ah non, mais ça va être l'enfer. J'ai pas joué depuis longtemps. J'ai un clavier bizarre, regardez. J'ai un clavier de gamer nul avec des trous. Regardez, là, il y a un trou sur le entrée. C'est un trou. Oh là là. Même... Oh, ça va être pénible. Bon, allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe, donc, en mode très hard. Bienvenue chez Webedia. Ah oui, on a 6 caisses. Une bière. Bon, alors, la bière, faut laisser appuyer. Et surtout ne pas dépasser, c'est simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 2, le poisson c'est. Tac. Ah oui, on fait un 180. Il faut l'assaisonner et l'envoyer. D'accord. Ah oui, mais vu que pour l'instant je n'ai que qu'un poisson, une étoile, je n'ai. Merde. Elle est considérée comme ratée parce que j'ai dépassé. Vu que pour l'instant j'ai que les niveaux 1 c'est simple. Donc je coupe, j'assaisonne, j'envoie. Et je dois la sortir quand elle est cuite, mais pas trop cuite, bien sûr. Ok, voilà, faut nettoyer les cabinets. Alors, c'est comment déjà? Ah oui, ça va, ça c'est faut juste tirer la chasse. Greens and carrots, c'est G. Et la salade, c'est simple. Ranch, cheese, mushrooms and tomatoes. Ah, la lasagne! PSCR. PSCR, PSCR, PSCR. Oui, pour l'instant, on est sur une lasagne standard. On n'a pas encore de viande ou de légumes à rajouter. Ranch, cheese et tout. Donc, RC, BOMG. Les lasagnes sont prêtes. On envoie un poisson. Et voilà, rush hour. Alors, c'est super... Quoi? Non mais c'est trop dur, c'est l'enfer. Les chiottes, les chiottes. 6, c'est pas ce qu'on dit. Ranch, cheese, bacons and croutons de merde. Le poisson est prêt, la lasagne est prête. C'est quoi? PSR, merde. J'ai une salade en 3, salade en 3. Greens and carottes, c'est bon, la lasagne est prête. 6, les poubelles. Oh, les poubelles, c'est l'enfer. J'ai mon poisson, je vais pas pouvoir envoyer mon poisson. Mon poisson, c'est mort. Vaisselle, hop. La lasagne en 2 est prête. Oh là là, mais non, mais c'est impossible, c'est injouable. Faut qu'on rejoue en normal. La bière en 6. Un poisson. J'envoie. Non, poisson. Pourquoi je l'ai envoyé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Merde. Ranch, cheese, bacon et croûtons. Il y a des rats. Les toilettes d'abord. Les rats. Faut s'occuper des rats quand même, c'est dégueulasse. Le piège à rats. Mets le fromage, c'est bon. Je me lave les mains. 3 bières. Oh là, non, mais c'est injouable. Le super rush hour est injouable. Quel enfer. Le poisson en 5 est bon. Ça fait longtemps hein. Le jeu c'est Cook Serve Delicious. Bon, au moins le poisson c'est garanti hein. Dans un premier temps. Mais je l'ai assaisonné le poisson.
Mais oui. 4. Alors oui, voilà, c'est chiant. En fait, c'est à ça que ça sert plus tard d'upgrader, bien entendu, le système des poubelles, les chiottes, etc. C'est pour rendre ces tâches plus rapides. La salade, ranch cheese, bacon, crouton, oignon, peppers, le poisson en 5 est prêt, ranch and cheese, lasagne, un poisson en 3, ranch cheese, champignons, tomates, les cabinets, ça va revenir, hein, c'est le temps que ça revienne, mais le super rush hour c'est vraiment trop, hein. Genre faire des soupes dans ce mode de difficulté ça va être impossible, comprenez bien. And cheese. On met le fromage, le piège à rats, les bières. Le poisson. Allez, on a enchaîné une vingtaine de commandes parfaites, c'est pas mal. Mais attention, regardez bien l'heure en haut à droite, quand il sera 18h, ça sera le moment de mon décès. L'heure de mon décès, c'est 18h. Ça arrive. Ça y est. Ça y est, c'est de la merde. Oh merde, y'a un mec qui veut faire un selfie. J'avais oublié ces conneries. Selfie. Ouais. 3. PMR, PS. 6. J'en ai trop fait. Non, c'est bon. 4. La bière. La 1 est prête. Lasagne en 2. Les chiottes en 5. Se lave les mains. Lasagne. J'ai un poisson en 4 qui m'attend. La lasagne en 3 est prête. Hop. 5. Lasagne en 6, c'est prêt. Ensaisonné. 3. Lasagne en 2, c'est prêt. Bière en 3. Lasagne prête. La vaisselle. Le poisson en 4 est bon. Putain. Le poisson en 5 est bon. Ok, lasagne en 3. Poisson en 1, poisson en 2, lasagne en 4, 5, ranch cheese et tout, BOMG, 6, la bière. Oh putain, on l'a fait! Ça revient, il y a des choses qui reviennent. Ah, formidable, les sensations du kebab. Mais le problème, c'est que oui, là, c'est simple. Quand on devra faire des soupes, alors là, le rush hour, on passera le rush hour à faire 3 soupes, quoi. Et les gens s'en iront révoltés. Et ça sera terrible. Non mais comment c'est le mode insane porte bien son nom. Poisson en 5, la vaisselle. Poubelle, j'ai le temps de faire les poubelles, j'espère. Le poisson en 2 est prêt, j'ai une bière en 4 qui m'attend. Ouais, c'est bon. C'est bon, 5. Oh là là, selfie nul. Oui. Génial. Hop. Les chiottes. La salade, ranch cheese, 4, lasagne. Et puis là aussi, on est sur les recettes simples. Quand il y aura plusieurs façons d'assaisonner le poisson, plusieurs façons de faire les lasagnes, bah là, ce sera la merde. La salade, il y a déjà la possibilité de faire plusieurs choses, mais c'est parce qu'on n'a pas d'étape de cuisson. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire les kebabs. Ah ouais, mais les kebabs, c'est dur. Bon, allez, on a servi 96 clients aujourd'hui. 85 de ces... commandes étaient faites parfaitement. 2 moyennement. 9 étaient mauvaises. Nous avons complété. Nous avons réussi les 22 corvées qu'on avait à faire. Très important, les corvées, quand il y aura, évidemment, les inspecteurs de la sécurité et l'hygiène. C'est pas mal. Quel enfer. Donc voilà, pour l'instant j'ai une étoile Michelin. Bon, j'ai un kebab quoi. Et donc j'ai une checklist. Et quand cette checklist sera complétée, eh bien je deviendrai un resto 2 étoiles. Donc j'ai réussi à servir 4 plats différents en un jour. Parce que c'est vrai que je peux faire un menu chiant avec juste de la bière. On peut faire une journée à la bière. On tire de la bière. Avoir au moins 10% de buzz positif, c'est bon.
Il faudra que je passe une inspection justement de sécurité. Il faut que je fasse, je tire 20 jours, ça j'ai pas le choix. Réussir à avoir 12, un combo de 12 parfaits sur 3 jours, c'est pas facile. Acheter 6 boissons ou plats différents standards pour mon menu, d'accord. Je peux le faire et se faire 100$ en pourboire. Quand je pourrais acheter, bien évidemment. Elle est disponible, ça y est, c'est parti. Équipement, j'achète pour 50$ le petit pot à pourboire. Repasse en standard. Je sais même pas si je peux changer la difficulté en cours de jeu, ça m'étonnerait. Non mais on va essayer de le tenir. On va y arriver. C'est bien, ça travaille les doigts, ça travaille les réflexes. Bon, on me demande d'acheter de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Oh putain, il y a le poulet, c'est chiant là, il faut mettre des coups de marteau. Il y a la vinasse aussi. Alors la vinasse, tant qu'on a de la villageoise, ça va. Mais la vinasse, ça devient compliqué quand on commence à avoir plusieurs types de bouteilles. Parce que là, c'est là, 20 à 1 étoile, j'aurais juste la villageoise à servir. Ça coûte 2 500$, hein, cependant. Et je n'ai que 11 000. Faire attention aux entrées d'argent. Pour faire des burgers, il faut que j'investisse dans un four, ou un grill plutôt. Les sodas, oh, les sodas, c'est tellement l'enfer. Le steak, c'est classieux. On pourrait se prendre une spécialité, mais c'est l'enfer. Hein. Genre la banane flambée, oh là là, qu'est-ce que c'était chiant la banane flambée. Le homard, mais on est à Levallois, donc peut-être que le homard, ça se tient. J'achète le homard. Mais attendez, dans mon challenge, je devais acheter que des standards, en fait. Donc je fais n'importe quoi. Le steak, c'est facile aussi. Bon, allez, pour l'instant, on tente le homard aujourd'hui. Menu du jour, aujourd'hui, on enlève la lasagne. Il faut faire attention aussi, parce que vous voyez que la bière, ça restera, quoi qu'il arrive, trendy. Ça buzz. Mais au bout d'un moment, il faut... et la salade aussi. Mais il faut faire tourner les éléments du menu, sinon les gens se fatiguent. Petit homard. Alors le homard c'est facile, mais il faut juste être vigilant, la cuisson. La cuisson est très facile à louper. Mais on est niveau 1, donc oui, il y aura peu de choses. Extreme difficulty. Donc le homard, regardez, je le mets, et voilà, je le mets, il boue. Ah oui, d'accord, j'ai même pas l'assaisonnement. Bon, full homard. Visiblement, dès 9h du matin, c'est l'heure du homard. On devient un resto de poissons et de fruits de mer, c'est beau. Mais regardez bien, il y a peu de temps pour le sortir. Là, il est ok. Ah, quoi que non, ça va. Ah si, voilà, pas de sauce. Du beurre. Deux beurres. Ah si, il y a une couille. Il y a quand même une couille dans le potage. Pas de sauce. Une bière. Un poisson. Une salade. Greens and carrots. Merde, c'est quoi, elle? Allez, on envoie le... Ah oui, le homard, c'est en deux temps. Les trucs en deux temps, c'est un peu chiant, mais bon. Il y a des trucs en trois temps, même. Hein. Une salade, ranch, cheese, bacon et croûtons. Merde. La bière, qu'est-ce qu'on a? On a le homard en 6 qui est prêt. 2, bière. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, c'est vrai, putain, faut faire ça. Ah, ma bière, putain, c'est bon. J'ai le 5, c'est une salade. Cheese, greens, carrots, merde, j'ai loupé des trucs. Beurre x 2, 4, le homard, il est en train de brûler. 3, mais non, mais merde, c'est chiant. J'ai loupé un truc, oh là là. Oh, je m'y fais pas, homard. C'est bon, ça va venir, hein. Je suis plus habitué à ça, moi. Oh non, non. Je suis pas prêt. My body is not ready. Ranch and cheese. Les poubelles. Mais c'est quand qu'on arrête? Putain, 5 sacs. 5. 2. Une coupe de beurre. 3. Pas de sauce. 4. La vaisselle. Le 6. Le poisson en 6 est prêt. J'envoie les poissons, c'est facile. 3. J'ai un homard à balancer en 5. Les rats. Les rats nuls. Cheese. Hop. 6. 6 à homard. 3. J'ai un homard. Non, 4. J'ai un homard. Le poisson en 2, c'est bon. Poisson en 3, c'est bon. Bière. Une bière en 3. Ça y est, il y a des homards de près. 5, 5, 2 beurre. 2, une bière. Poisson, lobster en 6, c'est bon, pas de sauce. 4, pas de sauce. 1, poisson, on envoie 3 bières. Des chiottes, non, pas des chiottes, vite, 5, 5, une bière. Merde, putain, je l'ai tout de suite. Ah, ranch cheese, bacon, crouton, oignon, pepper. 6, c'est quoi? Ranch cheese, oignon, peppers, 3 bières. Le poisson est prêt. Oh, ça y est, je fais de la merde en barquette. Oh, c'est terrible. Quel enfer. Mais putain, mais... Oh, j'ai plus le timing de la bière en moi. Putain, quel...
Mushroom, greens, carottes, 5. Merde, pourquoi je fais de chat? Qu'est-ce que j'ai? 3, c'est prêt. Faut que je... 2. Butter, 5. Non, merde! 4. La bière. Ah, j'ai loupé la bière. Oh là là. Ah, le... Ça m'a complètement sorti du truc, le... Le homard, j'étais pas prêt. Omar m'a tué en quelque sorte. 6. Oh, je suis trop lent. Je suis trop lent sur la bière. Je pouvais l'avoir le 6. Pas de sauce. Oh merde, merde, il va brûler. Il va brûler mon. Putain. 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, changement de musique, mais pas encore de rush hour. Ranch and cheese. C'est bon, j'envoie le poisson. 6. Ranch, cheese et tout, BOMG. Ça va arriver, ça va arriver. He's okay. Je maîtrise la situation. Bière en 6. J'en vois 3. 1 beurre, 4. 1 beurre, 2 bière. 6 bière. Merde! 5. Ah, j'ai plus la bière en moi. C'est terrible. Pourtant, c'est un peu mon domaine de prédilection. 1, 2, 5 bière. La 1, la 2. M'ont pris dans leur jeu. Ah oui, on le faisait souvent ça. Ça me revient. 3. Portion de beurre, 4, 6, le poisson est prêt, 2, le poisson est prêt, 5, on met dans la marmite, 3, bière, j'ai un... Merde, mais putain, parce que je me stresse, putain, merde, le poisson de... Merde, merde. Ça, c'est même pas le rush hour, et... la bière, qui l'eût cru que je galère sur la bière? On va mettre de la villageoise, hein, à la place. Poisson en 4, 5... 1, ranch, cheese, bacon, oignon, ok, 2, qu'est-ce que j'ai, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est vrai, putain, mais je m'y habituerai jamais. 5, c'est bon, 6, 1 beurre, 2, ok, 3, 1 beurre, putain, ça c'est long, il y en a 3, 4, 5, putain, et ça veut faire des selfies de merde, j'envoie, selfie en 4, ouais, super, ouais, ta gueule. 1, lobster, hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y'a un truc qui s'est mal passé, je ne sais pas, 5, non pas 4, vite, 5, ranch cheese, 6, cheese, greens, carottes, ok, 2, pas de sauce pour ce homard là, 4, j'envoie un poisson, 3, le poisson est prêt, 1, 2, beurre pour la 1, 5, 1, homard, 6, le homard, 2, le poisson, 3, la bière, ranch and cheese, le poisson est prêt en 4, 3, ranch and cheese, easy, Peasy. La vaisselle en 4. J'ai loupé le piège à rat. Putain, heureusement qu'il n'y a pas encore l'inspectrice de l'hygiène. 3. Allez, le rush hour est terminé. On va s'en sortir. Mais non, putain, je voulais la 5. 5. 1 beurre. 6. 2 beurre. 2 le boisson. 2. Ok. 1. On envoie Omar. 4 le boisson. Hop, on assaisonne. Parti la bière. Ouais, il faut que les bières elles s'enchaînent. Putain. Ok, c'est bon. Je commence à retrouver le timing de la bière, tout va bien se passer. On envoie un homard. 4, c'est bon. 3. Du beurre. Une portion. On envoie un homard. 6. La salade. Ranch cheese, oignon. 3. Un poisson. Poisson est prêt en 1. 4. On envoie un homard. Oh putain. Synchronisation des homards. C'est parti. 1. Ranch greens carottes. 2. Le homard. Beurre. 3. D'accord. 5. Pas de sauce. 3. Un poisson. 2. Un poisson. 1. Un homard. 4. 2 beurre. 6. Un beurre. Oh là là, mais c'est bon, ça revient. Ranch cheese, bacon, oignon. Ouais, c'est bon. 2, 3, c'est prêt. On envoie l'homard en 4, en 6. 2. Ranch cheese, bacon, oignon. 1, c'est bon. Une coupe de beurre. 5, on envoie homard. 3, on envoie homard. 2, poisson. 1, poisson. C'est physique, hein. Pas de sauce. C'est la fin de la journée. Ça va. Il y a eu un petit problème de rat. Ça passe en rat. Ah. Oui, donc c'est ça. Il faut que j'achète des standards. Et j'ai acheté un premium avec le homard. Je reçois des mails nuls. Ah, cool! Quelqu'un a gagné au loto et décide de me donner du pognon, mais c'est génial. Voilà, menu rot. Ce qu'on appelle menu rot. C'est regardé. Et ben voilà, les gens en ont marre de bouffer du poisson.
Dit, oh, ton poisson, il est dégueulasse. Il est comment le café cette année, les gringos? Ah, il est dégueulasse. Alors, on peut remettre les lasagnes. Attendez, je vais acheter des foods. C'est quoi ça? Oh non, pas le corn dog. Truc de clodo. On est quand même dans un gros resto. On pourrait mettre des glaces. On est quand même un petit resto de hipster. Petite glace. Là, pour l'instant, on aura juste vanille. Vanille chocolat. Ah, on aura déjà les sprinkles, là, de couleur, toutes les couleurs et des cerises. 6 recettes. On a déjà 6 recettes de glace dès le début. Motherfucker. Eh, on pouvait upgrader la bière, j'avais même pas fait gaffe, idiot bête. Ah bah oui. Ça rend juste la bière meilleure, y'a rien d'autre à faire. My god, upgrade the beer. Et l'autre qu'on peut upgrader, c'est quoi? Oh non, les chicken McNuggets, là. C'est la merde, les glaces. Évidemment que c'est la merde. Allez, une petite glace. Je dois acheter des standards, donc pas tout de suite la banane flambée, hein. Calmez-vous bien. Et le steak. 2200 balles. Je suis en train de me ruiner, hein. Mais en même temps, je prends des trucs faciles à faire et classieux. On va changer le menu. Oh, le homard, il m'a épuisé du cul, là. Quoi qu'on commence à avoir le truc. Non, on va mettre glace et steak. C'est parti, toujours des nouvelles expériences. Ah oui, merde, putain, il faudrait qu'on prenne les kebabs, sinon les gens vont nous juger. C'est dans Specialty Food, hein, shish kebab. Ouais, shish kabob. Alors ça, c'est l'enfer. Et encore, c'est que le début. Il faut bien mettre les trucs dans l'ordre. Oh là là, mais quel merdier. Ah, quoi que c'est peut-être les sushis qu'il faut mettre dans l'ordre. Non, il faut les mettre, il faut les placer de manière à ce qu'il n'y ait jamais les deux mêmes ingrédients côte à côte. Faut faire une brochette cohérente, quoi. Bon, là, on n'est pas dans une kebaberie, on est vraiment dans la cantoche de Webedia. Ah. Ah, il est sur iPhone, Cookserve Delicious aussi. Ah, excellent. 134% de buzz. C'est la merde. Il va y avoir trop de monde. Oui, c'est vrai que, oui, selon ce qu'on met, le buzz change. Bon, bah, 134% de buzz, je pense que le buzz est là. Quel enfer! Bonjour! Il est 9h du matin et ça va bouffer. Ah, ça va boire de la bière et bouffer, bien sûr. Mushroom, greens and carrots. Deux vanilles. Ok, deux vanilles et une cerise, c'est H. Pourquoi c'est H? J'aurais dû refaire. Oh putain, y'a pas le temps! Y'a pas le temps! Vanille, chocolat, 5! Vanille, chocolat, HP, hôpital psychiatrique. J'ai loupé un truc. Y'a un truc que j'ai oublié déjà. Putain, ça me fout dans la merde! Ça me fout dans la merde, je suis pas habitué. 4! Ranch, cheese, onions and peppers! Merde, 5! 2 chocolats! 6! Pourquoi j'ai loupé? Quoi alors? Ah, deux fois le jus et du citron. Oh putain, mais je suis plus habitué. Oh là là, c'est un massacre. On est en train de tout niquer. Mais pourquoi je loupe ma glace? Je le vis mal. Deux chocolats avec des sprinkles. Voilà. 4. La bière. 5. Une glace. Ah, c'était 3. J'ai mal lu. 3 assaisonnements avec un petit jus. La viande, elle est en train de crever. La viande, merde. Ranch, greens and carrots, 2, 4, un steak, 1, 2 jus, un citron, oui d'accord, vanille, chocolat, 6, vanille, chocolat, il y a des ninjas, 2 vanilles, une cerise et H, oui, 3, j'avais quelque chose en 3, non, 4, merde, putain, j'ai envoyé le steak alors qu'il était cru, 3 chocolats, 1, 2, 3, oh non, ça c'est long, pas le, putain, pendant le rush hour, c'est vache, 1, Range, greens and carrots. 4, 4, j'ai un steak à envoyer. 1, 2, 3, jus. 5, vanille, chocolat. Cherry. Ah, c'est peut-être parce que je dois faire dans l'ordre. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce. Ranch cheese, mushrooms and tomatoes. 1, 2, 3, un jus. 2, 1, 2 jus, un petit citron. 5, la vaisselle. Non! Ranch cheese et tout. BOMG. 1, vanille, chocolat. HP. 6. Ranch and cheese, ça c'est simple, j'aime bien le steak. Attention, il va brûler. Il va brûler le steak. 6, une bière. J'ai une salade en 1. Salade en 1, ranch cheese et tout, BOMG. 3, le steak est prêt. 4, greens and carrots du cul. 2, la vaisselle. Qu'est-ce que j'ai loupé? Putain, j'ai loupé les greens and carrots comme un con. 5, la bière, c'est vers le bas, putain. Ranch cheese, bacon et croûtons, oignon, peppers. 3, c'est quoi? Vanille, chocolat, HP. 2, seasons, 2 jus, un citron, c'est parti. Oh non, pas ça, ça fait trop de déchets, je sais pas ce qui fait de déchets, c'est glace, je sais pas quoi. 5, cheese, onion and peppers, 3, la bière. 4 derrière, 4, greens and carrots, c'est un seul truc, greens and carrots, ranch and cheese, bordel, 6, un steak à envoyer, 1, 1 de jus, un citron, 1, vanille, chocolat, oui, cerise, ma bite,
Ren cheese, bacon, oignon, 4. Quoi, j'ai loupé. J'ai encore loupé, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je loupe? Je suis au bout de ma life. Ça va revenir, ça va revenir. Allez, 3 assaisonnements, un jus, Ren cheese et tout, BOMG, 4. RC, BO, RCBO. Le CBO, hop, 3. Cheese, greens and carottes. Voilà, greens and carottes, ce n'est qu'un seul truc en fait. Donc c'est G. Qu'est-ce que j'ai fait? 6. 3. Au moins un steak. 1, 2, 3, un jus. 1, 2 jus, citron. 5. Ça brûle. 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, vanille. 2, steak. 1, 1, 2, 1. 6. Une salade bordel de merde. Oui, d'accord. 4. 4, quelque chose. 1, 2, 3 et un jus. 5, la bière pendant que ça cuit. C'est bon. 6. 6. Vanille, chocolat. Non! Ah, c'est bon, je peux le servir à l'envers. Putain. 5. Citron, qu'est-ce que j'ai? 2, 6, ranch and cheese, 1. 1, 2, 3, 1, jus, la glace en 3. Putain, la glace, ils ont pas le temps. C'est ça le problème. Cherry, 2. 1, 2, 3 et un jus, le steak en 4. 6, un steak. 3, assainement, jus. 3, 1, 2 jus, un citron. 5, c'est prêt. 4, ça part. Citron, 5, une bière. Quel enfer. Alors il y a Overcooked aussi, mais pour moi Overcooked c'est, ça a l'air surtout bien en... Je l'ai pas testé du tout, hein. Mais ça a l'air génial en coop, comme l'a fait Zerator avec Dash et Juice entre autres. Ça a l'air d'être un jeu de coop Overcooked. 6. Ouais. Super. Venez manger des kebabs chez Mienne. Merde. C'était le 2 que je voulais, le 2. Ah oui. Oui super. Merde, 3. Putain, il est rage, j'ai encore oublié les rages. 5, il est en train de cuire, le steak est mort, putain. De chocolat, et des Pringles. Hop, paf, c'est parti. La glace en 4, 1, 2, 3, vanille. 3, steak, 1, 2, 3, un jus. Qu'est-ce qu'il y a disparaît en 5, ça disparaît. Ranch and cheese, en 2, mushroom, greens and carrots. 1, une vanille, un chocolat. Qu'est-ce qu'il se... putain, qu'est-ce que j'ai oublié? Vanille, chocolat, chérie Sprinkle. 5, 3 chocolats, 2 bières. Bière, putain, trop tôt la bière, oh là 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 là, c'est un massacre. Salade, ranch cheese, bacon, oignon, 6, j'ai une glace, 3 vanilles. Oui, 3 vanilles, c'est bon. Steak en 3, c'est cuit, oui, c'est bon. Merde, là, c'est laquelle? 4, quoi? Putain, je loupe plein de trucs. Ranch, greens and carrots, 6, 1, 2, 3, chocolat. Les chiottes, mais d'abord la bière. La chiotte en 3, se lave les mains, 4, un steak. Un jus, 1. Ren cheese et tout. 2. Bière. Steak en 6, vite. 1, 1, 2, 1. 3. 3 assaisonnements. 1 jus. 1. Merde! Oh putain. C'est bon. 3 chocolats. Mais quel enfer du cul! 2! 1, 2, 3 assaisonnements et un jus. Oui, oui, on joue en expert de l'enfer. 1, 2, 3 chocolats. 6. 4 5, c'est prêt. La 3. 3 assaisonnements, un jus. 1. Cheese, greens and carrots. La glace. 3 vanilles. 5. Champignons, greens and carrots. Mons boob. La 2 est prête. Pendant qu'on verse la bière. 5. Mushroom greens. 1. Merde, putain. 6. C'est quoi? 2. Non, oh putain, j'ai failli envoyer là. J'ai failli faire sortir la 1 alors que c'était pas prêt. 2. Ren, cheese, bacon, oignon. Très bien. 3. 1, 2, 3. Un jus. 4. La bière. C'est bon. Fin de journée. C'était laborieux. Hein. Ça devient de plus en plus laborieux. Ah. Et prends ton steak, Marcel Mann. Ah, 13 mauvaises commandes, mais bon, c'est bon, on est quand même resté dans le buzz positif. Et on a fait 1000 balles. Ouais, mais justement, les amuse-gueules, Orga 31, sont bannis du mode hardcore. Ah, c'est pas bon, mais j'ai fait 100$. Il faut faire 101$. A new item. Ah bah si, ils me le mettent, le table snack. Alors, c'est quoi qu'il disait au début? Au début du jeu, il disait qu'il y avait un truc, justement, qui était pas disponible, et je croyais que c'était ça. Bon, on a des vieux snacks, voilà. On a des cacahuètes pour qu'ils soient un peu plus patients.
Quel enfer! C'est que des trucs trendy, hein, mais bon, la glace, ça m'a fatigué. Steak, c'est dur aussi, hein. On va se refaire une journée à la bien, hein. Poisson lasagne. On retourne sur notre menu du jour 1, ça me paraît raisonnable. Et c'est long de devoir faire 20 journées quand même. Surtout, c'est à quel moment? Ah oui, c'est quand on augmente d'étoiles qu'on on se rajoute des caisses. Toutes les caisses. Ah mais on va avoir des Iron Chef, des trucs à faire, ça va être marrant après. J'ai pas investi dans les cabinets, mais je peux pas, c'est pas disponible dès le début. Regardez, je peux acheter le grill, la friteuse et la saucière de merde là, enfin dans la cocotte. Mais ça je peux pas. Ce n'est pas encore disponible. Non, c'est PSCR parce qu'on n'a pas encore la lasagne viande. Oh, je peux upgrader les sodas. Ah oui, putain, faudrait qu'on mette les sodas. Allez, c'est mon investissement, on va mettre les sodas. C'est de la merde, mais voilà, ça va faire plaisir aux gens. Et on va les upgrader directement. C'est quoi l'upgrade? Ah oui, ça rajoute. Ah bah voilà, ça rajoute les coupes géantes, les Super Size Me. Et surtout, le Flavor Blast, le dynamiteur de saveur. Ah, le filet de poulet, c'est un enfer. Allez, on se met des sodas nuls. À la place de la bière, allez. On fait pas un double boisson. On s'enlève le plus simple. Donc, c'est simple. La machine à soda, nous avons 4 tailles de gobelets. Small, medium, large et jumbo. Et ensuite, on a le choix entre de l'eau... du coca, du coca zéro, enfin du cola zéro, de l'iced tea et du jus de raisin, je crois. Avec en plus glaçons et le dynamiteur de saveur qu'on peut mettre dans de l'eau. Oh merde! Oh, je le sens mal, j'ai fait une grosse connerie. I've made a huge mistake. PSCR. Ah, direct, on est en train de rattraper. Je crois que j'ai loupé une touche sur mon clavier CDiscount. Bon bah direct, faut faire les tâches, c'est le matin, faut faire les tâches. Petite salade, mushroom greens and carrots. Non, c'est bon. Alors un petit coca, alors comment on fait? Hop, avec de la glace, ok, c'est bien. 5. J'ai un poisson en 3. J'ai les rats en 6. J'en ai marre de louper les rats. Ranch and cheese, 2. Ranch and cheese, parfait, 4. PSCR. 5, c'est bon. 6. Medium diet coke avec de la glace et un dynamiteur de saveur. Ma vie, c'est de la merde. Ranchies. On va s'y refaire. C'est une mécanique à reprendre, hein, bien sûr. 5. Tu veux un gros coca avec ça et Flavor Blast. Très bien. Les poubelles. Les poubelles, vivement qu'on ait upgrade parce que les 5 sacs, c'est long. C'est long et pénible. 6. Ranch and cheese, bien sûr. Ils ont l'air un peu plus patients, c'est sûrement grâce aux petits amuse-gueules qu'on a mis. Le cabinet. 4. Mushroom greens. Une petite lasagne standard. 6. Medium grape avec ice flavor blast. 3 à la vaisselle. Poisson en 4. Poisson en 1. 2. Lasagne prête. 5. Large thé avec de la glace. 2. C'est bon. 6. On envoie le poisson. 3. Un petit diet coke avec ice et dynamiteur de saveur de mon cul. Les poubelles de merde. Des poubelles toutes les 2 secondes. C'est à cause des sodas. C'est à cause de Kevin Adams. 2, 6, 3. 3 leuras de merde. 3 leuras de merde. Les cabinets. 5, c'est bon. 4. Un petit coca sans glace. Cheese, onion. Ranch cheese et tout. B-O-N-G. 2. Merde, j'ai un poisson en 6. J'ai un poisson en 6. J'ai une lasagne en 3. Lasagne en 5. Lasagne en 4. Vaisselle en 1. Lasagne en 2, c'est prêt. Poisson en 6, c'est prêt. 3, 1. Gros énorme coca sans glace et Flavor Blast. Lasagne en 3, en 4 et 5. C'est prêt. 6. French and cheese. 1. 2, c'est bon. Oh non, pas les poubelles. Pas les poubelles. Putain, on a survécu au rush hour, c'était tellement beau. Ah quoi que non, j'ai loupé un truc, merde. 5, cabinet, lasagne en c'est bon, 3, ranch cheese et tout. Lasagne en 4 qui m'attend.
6, 5. Qu'est-ce qu'on a? Mushroom greens. 1, les rats de merde, les rats de merde. Vas-y, en 3. En 2. 4, c'est bon. 5. Moyen jus Ice Flavor Blast, jus de raisin. Salade, petite salade. Ok, 2, 3. Oui, c'est super, super le jeu vidéo. 4. Je vais pas m'énerver. Oh là 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 là, ça c'est beau mais c'est long. C'est beau mais c'est loin. L'Amérique, l'Amérique. Medium haut avec de la glace. Connard. Gros coca. Putain, j'ai loupé un truc. 2, 4, 6. Moyen jus de raisin. Glace. Limiteur de saveur. Le poisson, c'est zéro temps. On n'avait pas eu de poisson. Demandez-moi plus de poisson. Ren cheese bacon. 5. J'ai dû louper une lasagne. Cheese onions. 2, c'est bon. Ren greens and carrots. 3, 4. Une lasagne. Soda en 6. Jumbo coca. Glace. Petit poisson. Merde! Oh, je me suis bourré. Allez, je fais n'importe quoi pour la peine. Et je l'envoie direct. Rien à foutre. Je peux envoyer la 2, elle est loupée de toute façon. 6. Putain, mais qu'est-ce que je fais, putain, handicap man? Je crois que je l'ai loupé, je suis pas sûr. C'est pas mon clavier, c'est pour ça. C'est pas les mêmes sensations pures, les produits laitiers. 3, 1. Roté, avec de la glace, bien sûr. Petite lasagne. Ils aiment la lasagne, hein, je sais pas. Petit Diet Coke. Ice Flavor Blast. 5, lasagne. 6, elle va brûler. CR, PSCR. J'espère que je l'ai pas loupé en route. J'étais en train de paniquer à cause de la lasagne en 6 qui brûlait. Ok, j'ai la 5, elle est prête. 6, c'est bon, je l'ai pas raté. Assaisonne le poisson. Je l'ai mis, moi. Je crois que je l'ai mis. Chiotte en 6. 1. Enfin, vraiment, s'occuper des rats. 3, les rats. Les rats, c'est ça. Poisson en 4, 5. Jumbo coca, glace. Très bien, 2, 3, poisson. 6, j'ai une salade. Mushroom, greens. 1, c'est bon. 2, lasagne, soda qui nous attend en 4, j'ai envie de me moucher, medium coca avec de la glace et du flavor blast, 6, gros thé avec de la glace, poisson en 3, coca, gros coca, coca énorme, sans glace, 2, j'ai loupé un truc, c'est pas grave, les poubelles nulles, c'est l'enfer, 5, petit coca, glace, flavor blast, 1, gros coca, pas de glace, flavor blast, j'imagine. Donc, du coup, oh là là, medium coca, glace, flavor blast, j'ai loupé 40 000 trucs, ma vie c'est de la merde. Petite musique de la cantina. 1, ranch cheese, bacon et croûtons. 2, greens and carrots. 3, ranch cheese, onion and pepper. 6, petit toast avec de la glace. 1, gros diet coke avec de la glace. 4, 5, c'est prêt. Moyen coca, pas de glace. 6, lasagne, on envoie la lasagne. 3, c'est quoi? 3, c'est greens and carrots. Putain, faut absolument que je fasse les poubelles, je suis dans la merde. C'est la 1. La 1 à envoyer en priorité. Suivi de la 5, je l'ai loupé. Je suis sûr que je l'ai loupé, cette putain de lasagne de merde. 3, 3, j'ai un poisson. 4, 4, j'ai un truc. Oh non, mais ce jeu va m'achever du cul. Ranchies, mushroom tomate, une petite vaisselle à faire. Les poissons sont tous prêts à la suite. Petite photo. Hey, hop. Les rats. 2, voilà. Allez, on envoie la poubelle. La poubelle, allez, on envoie la poubelle. Ouais, superbe. 4, un énorme coca zéro avec de la glace et du flavor blast. 3, merde, lasagne. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le 5. Si j'arrive à sauver le 5, c'est pas mal. Mushroom, tomate, non, greens and carrots. Merde, mon 6, j'ai pas sauvé mon 6. Petit coca sans glace. Vie de merde. Ça va. Bon voilà, c'est ça qui est dommage. On est tellement bon qu'on a quasiment tout fait. Il faut juste attendre l'inspection générale et bourrer 15 jours. Ah, on a reçu une bonne critique. Donc on a 10% de buzz de plus pour aujourd'hui. Ah, malala, mon dieu! Ça y est, c'est l'inspection des 5 jours. Donc cet agent va venir quand vous le verrez sur la gauche de l'écran. Ça voudra dire qu'il faudra être performant et bien exécuter les tâches. Sinon on va se faire juger. Putain, j'ai rien de disponible, quoi. Quel enfer. Faut que je me mette des trucs faciles, hein.
Petite bière. Bière steak. Poisson. Bière steak, poisson, salade. Le steak va poser problème. Ouais, ouais, je fais la VOD. Oui, oui, là, ça va. La lasagne est toujours la même. C'est après que ça se complique, quand on upgrade. D'ailleurs, est-ce qu'on peut upgrader quelque chose? Des frites. On n'a pas pris des frites. C'est chiant, la friture. Faut saler, mettre les trucs, attendre. Enfin, c'est nul. Pas super rentable, en plus. Bon, attention, hein. Aujourd'hui, il y a les flics. Ah, j'ai un mail sur la Run Cook. Ah, merde. Cheese, greens and carrots. 3. Ren, cheese, mushroom, tomate. 4. Bière. 1, 1, 2, 1, 2, bière. Ren, cheese, bacon, crouton. 4, un steak. 1, 2 jus, 1 citron. 5, on envoie. 6, vaisselle. La bière. Steak. 1, 1, 1, 2, 1. Ok, super. 6. 1, 2, 1. C'est bon, c'est bon. Salade, cheese, green carrots. Les poubelles. Putain, j'ai pas trouvé mon S. Hop, 2. Ren cheese, champignons, une bière. 3, 4, putain, je vais y arriver. 1, 1, 2, 1, 2. Le poisson, on envoie. Attention, le steak en 6. Bière. 3. Les cabinets. Oh, elle est là, putain, oui. Alors là, tout, la priorité maintenant, c'est vraiment les tâches. Faut pas laisser les tâches non faites. Et le rush hour de merde. Allez, salade, ranch cheese bacon, petit poisson, une petite salade, la même, hop, c'est bon, le poisson en 6, c'est bon, le poisson, et merde, j'ai ça et les rats, c'est ma priorité, tant pis, 4, non, pas 5, si, c'est bon, ok, 2, c'est bon, la bière. Le poisson, on envoie 6. Un steak. On sait, on connaît. La vaisselle, donc les chiottes aussi. C'est bon. Hop, 1, 2, 3, un jus. La bière. Putain, j'ai mon poisson en 4 qui est prêt. C'est bon. 3. Cheese et oignon. 5. Un poisson. 2 poissons. Une bière. Le steak en 6 est prêt. On gère. Bon, ça va. On a pris la solution simple. Attention, le poisson cuit vite. Pas d'erreur sur les touches, ouais, c'est... Putain, elle est encore là! Casse-toi, c'est bon, voilà! Mais tu vois que je fais tout, merde! Ah non! J'étais sur 45 combos parfaits et j'ai appuyé sur mauvaise touche. Et du coup, j'ai sorti un steak avant qu'il soit cuit. Je voulais faire un perfect day. Mon premier perfect day. En un expert, c'était pas rien. Je suis deg, 4. J'ai un steak. Ah, oh, je suis deg. Putain, j'ai failli oublier le... C'est quoi, 6? Oh putain, on a failli se faire baiser. 3. Merde, c'est en 5 qu'il y a une bière. On prie votre 5. Salade en 2. Ren, cheese, oignon. 6, steak. Steak en 4 est prêt. Putain, j'ai appuyé sur 3 en même temps. C'est le clavier, le clavier colle. C'est toujours les mêmes histoires, finalement. Tous les claviers collent. C'est Webedia. C'est dommage. J'étais au top de mon game. J'avais ouvert toutes les portes avec ma souris et mon clavier. Hommage à Dogby qui nous regarde. Hop. Super. Alors 6. Bon, c'est bon. En tout cas, on aura fait les... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces selfies de merde? Six. Cheese oignon. 3. Rien de cheese et tout. Mais putain, je suis mou du cul, La bière en 2 et en 5, c'est prêt. Oh là là, j'ai loupé le 4. Ma vie, c'est de la merde. Elle est encore là, grognasse. Elle est revenue, c'est ça. Elle est partie faire une pause. Saloperie, va. Non,
mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, le foutage de gueule, je vais verser 2 centilitres de bière. Je vais me faire juger. Mais bon, ça ne concerne pas Jacqueline. Jacqueline de l'hygiène. Pitié. Quatre. Oh, je suis deg. 4-3. Bon, en tout cas, niveau hygiène, je pense qu'on est bon. La totale, salade tomate oignon. Allez, allez, tous les poissons de l'univers, les cabinets, on se lave les mains. 4, 1, 2, 3, et un jus, une bière. Une bière en 5 aussi, le poisson en 6, c'est prêt. Et les poubelles de l'enfer. 2, le poisson est prêt. 3, 1, 2 jus, 1 citron. 5, assaisonnement, 2 jus, 1 citron. 6, RCBO, G. RCO. 4, ok. 6, bière. 1, salade en 1, and cheese bacon. 2, le poisson. 4, le poisson. 6, le poisson. 1, le poisson. La viande en 3. La viande en 5. La salade. Le poisson, la salade, ren, cheese et tout, RCBOMG, le poisson en 4, en 6, en 1. Un poisson à nouveau. 2 jus, 1 citron, 3 assaisonnements, 1 jus, bière, attention à la salade en 5. Ren, cheese, la totale, salade, tomate, oignon, 6, le poisson en 2 est prêt, hop, 1. Cheese, oignon, allez, on est bien, on est bien, on est bien. On commence à retrouver à l'âme du kebabier. Ah, trop rempli la bière. Allez. Ça m'a saoulé du cul. Poisson, c'est bien. L'âme du kebabier. C'était une bonne journée. Ah voilà! Ah, on s'est moult pour boire! Et maintenant, on doit tirer notre bourre 14 jours. L'inspection est passée. Bravo! On a réussi donc. Un nouvel objet! Ah! Bon, le dishwasher. C'est pas le truc le plus ouf, mais au moins, on aura moins de couverts à nettoyer quand on aura les séquences de vaisselle. Dishwasher. C'est surtout le garbage service que j'ai envie d'avoir. Iron Cook Casting Chef. Il caste 3 chefs stars pour prendre le challenge. Stop by the Iron Cook Studios if you have a 3-star restaurant. Il faut avoir 3 étoiles quoi pour participer. Chier! Salut Biclad. Idiot. Le dishwasher, putain les bretzels, on s'emmerde. Oh, j'ai envie de péter un plomb. Faudrait qu'on prenne les sushis. Sushi ou kebab et je vais être en PLS. Mais faut faire attention, hein. On faut stabiliser quand même les fonds. Donc je propose de faire quand même une ou deux journées de la misère sexuelle. Mais avant, on va envoyer la pub, juste le menu. Les gens en ont marre du poisson, c'est dommage parce que c'est bien pratique. Et on ressort le homard. Et les glaces. Bière, glace, homard, salade. Ce restaurant n'a aucun sens. Ah oui, il y a le riz aussi. Non, mais de toute façon, les specialty food... c'est compliqué. Allez, salut YouTube, des bisous.